prêts, mesdames et messieurs, parce que c'est parti pour la forêt fortunée. Et salut à tous et à toutes, bonjour et bienvenue dans la forêt fortunée. On est ensemble pendant 2 heures pour défendre la grosse cagnotte, hein, parce qu'elle a commencé à prendre un petit peu de gabarit. 30 euros, c'est une grosse cagnotte. 30 euros quand même. Ça fait combien d'RP 30 euros? Bon, beaucoup d'RP. Ça va, on tape dans les mains parce qu'on est. Bobby qui est avec nous, Bobby qui est là, présent ce soir, merci à lui. Trop content d'être là. Trop et oui, content. Je sais que tu adores la 3v3. C'est mieux. Tu vois, j'avais le choix entre aller au ciné voir Interstellar ou être il avec ouf, toi avec hein. B. Il est fou Interstellar. Ouais. Franchement, j'aurais pris le film. Vendu. Il est allez, ouf. À plus. Le hein. Film est ouf. Bonne le soirée. Film est allez, ouais. Non, mais attends, on a besoin de toi. On a besoin de toi. En plus, il faut savoir, bien évidemment, que Bobby est le parrain de cette émission. Vous connaîtrez l'anecdote bientôt, bien évidemment, parce que vous allez voir, la forêt fortunée, elle va pas tarder à être modifiée et en mieux, bien évidemment, on va augmenter le niveau quali. Donc, restez présents tous les mercredis pour l'émission. Avec nous, on a aussi MacTor que vous connaissez, MacTor DM Spirit, qui était en plus tout à l'heure en live avec, avec l'équipe. Ça je suis tout le temps sur le stream. Ouais, c'est bien passé. J'ai pu jouer Kalista, donc je suis content, c'est bon. Par contre, je sais pas si on va pouvoir sortir Kalista ce soir, on verra. Bobby, je t'invite à te mettre avec nous au niveau de l'équipe. Pardon, et on va sélectionner une équipe tout de suite. Venez sur l'IRC, mesdames et messieurs, à droite de votre lecteur, c'est très très simple, vous pouvez vous inscrire. Il y a du monde ce soir, il y a Guéry qui est toujours là le mec. Pour, tu sais que Guéry, c'est, pour l'anecdote, c'est le seul spectateur qui a eu la chance de jouer avec nous pour défendre la cagnotte. Parce qu'il y a eu, voilà, il y a eu un moment où on a pris un spectateur avec nous. Et il a fait full win le mec. Et Guéry, tu l'opais pas? Si, si, vas-y, opé-le. Moi, je l'opé Guéry. Allez, direct, Guéry, il sera maître pèse dans de la soirée. Je l'opé. Et donc, je vous invite à créer votre équipe et à me PM sur l'IRC ou alors mettez. Moi, je ne peux pas l'opé parce que je ne suis pas master sur ce. Mais franchement, j'aurais trop envie. Mettez 3 noms de joueurs sur l'IRC. On va vous sélectionner tout de suite. Il y a 30 euros actuellement dans la cagnotte. Je vous rappelle le concept. Bah, si l'équipe adverse arrive à nous battre, elle prend la totalité de la cagnotte. Si on gagne la game, bah non, on ne gagne pas l'argent. Vous le savez. On rajoute, nous, 10 euros dans la cagnotte. Combien la cagnotte? La 30 euros. C'est une cagnotte de fiottes. Bah elle remonte, enfin on bataille quoi. C'est une cagnotte de fiottes. Bah qu'est-ce que tu veux? Après qu'on moi j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Il y a eu deux forêts fortunées. Dans son immense magnificence. Quand j'étais là, quand il fait ça, il y a une annonce. Attends. Dans son immense magnificence, Bablogov va rajouter personnellement. Non. Une cagnotte de RP d'une somme exceptionnelle de. Combien? Est-ce que tu suis sur la somme? Eh vas-y, je suis. Mais ça va mal finir. Je suis. Vas-y, je suis. Que tu suis 50 boules. Non, t'as vu. Ah, 50 boules. T'as mytho. Je te jure, je mets 50 boules de RP. On peut faire on faire peut, des on RP. Peut. Tu mets 50 boules de RP. Tu les mets, ça fait 130. Et on joue nos vies. Hein. 130 euros. Et tu joues pas ta vie, toi, alors, là-bas. Je, parce là, que toi, tu mets. Tu là, je vais devenir violent. Factor, il s'est loin. Là, je vais devenir violent. 50 boules de RP. Tape. Allez, 100 boules de plus! On les rajoute! 100 boules de plus! Et qu'est-ce si qu'il y a? Je les perds ce soir, est-ce je vous que tue. Sur la régie, ils peuvent vous les êtes morts! 130 euros dans la cagnotte! 130 euros! Et là, je vous mets dessus, donc j'ai pas les négociations sont ouvertes pour le front. Les négociations wow, sont ouvertes. Vous pouvez en parler sur les réseaux sociaux, hein. Twitter, Facebook, etc. Drijoka, si t'es sur le Twitter, parle-en. Parce que là, on vient de rajouter 100 euros d'un coup dans la cagnotte. Parce que Bob le Gob, bah voilà, il me chauffe, il sait tout le temps faire ça. On a mis 130 euros, on a sorti les balls, donc autant vous dire que là il y a masse thune à gagner. Ah là, le cours sur la table. Ah là, là, mais là on joue nos vies. Hein. Ah, là, moi je vous le dis tout de suite, on va jouer nos vies parce que plus tard je sors les 50 boules, mieux je me porte. Eh, mais il reste, hein. Il faut préciser. Donc deux qu'il fois reste. 50 boules. Bob, il met 50 boules, je mets 50 boules parce que je le suis. Pas n'importe qui la semaine prochaine. Parce que si j'arrive la semaine prochaine, je dis, au fait, tu dois 50 euros. Fais voir les replays. Fais voir comment tu as joué. Waouh, 130 euros dans la cagnotte, mesdames et messieurs. Et on va prendre une équipe au hasard. Il y a les pseudos, voilà, Terfo, Forward 29 et The Poulpose. Comme quoi, voilà, il fallait être présent sur l'IRC pour être sélectionné. Et ça y est, on va prendre 3 personnes. Il y en a qui essaient de m'acheter, là. Il s'est détaché. Non, mais là, ta vie est entre nos mains. Alors, je suis. Là, t'es fois, plus IRC man. Hein. Ok, là, t'es 3 fois. Ok, 4. Ok, 5 fois plus gros que toi. Je suis entre toi et la porte. Réfléchis. On va le briser. On te brise si tu. Ah, pas ta vie, on te brise. Et donc, voilà, parfait. Il y a du monde ce soir sur l'IRC. Mais il y a combien de personnes sur l'IRC? Là, pour l'instant, cette IRC 360 personnes. C'est tout? Eh oui, et pour combien et connectez-vous à l'IRC directement à droite de votre lecteur, hop, vous connectez, c'est vachement bien. C'est accessible à tout le monde, donc là vous pouvez pas utiliser l'excuse, je n'ai pas Facebook, j'ai pas Twitter, les adresses mail je comprends pas trop. IRC c'est juste à droite de votre lecteur, si vous êtes sur minium.org, vous mettez n'importe quel pseudo, vous faites connect et après arriver dessus, vous dites salut, vous participez à l'émission et vous pouvez mettre les pseudos de votre équipe. Donc il y a presque 3000 personnes sur le live, parlez-en parce que là c'est incroyable, 130 euros actuellement dans la cagnotte. On a l'équipe qui va essayer de gagner cette cagnotte.
Castagnotte, Terfo, Forward 29, The Poulpos. Donc maintenant, ça va être à nous de défendre tout ça. Il s'appelle pas comme ça, il s'appelle Gratos, Ridiculos, Poulpos, c'est bien. On va leur rouler dessus. On va leur rouler dessus, ça c'est sûr. On va lancer la game. On peut parler sur Skype un peu, se moquer d'eux, quoi. On pourrait, mais bon, vu que c'est organisé comme ça, vu qu'on prend sur l'RC, leur envoyer le TS, etc. Ouais, on essaiera d'avoir au moins l'un des trois joueurs en fin de partie. Mais en attendant, place au jeu. Est-ce que t'as dit bonjour à Dada? Dada? Très fidèle téléspectateur, ça fait plaisir de le voir. Coucou. Mais il y a du monde, il y a Garvroche, il y a Aubarn, il y a Drainer, il y a Tauren, JMC. Strat. Là, il y a on fait une strat où on se base sur un carry AD et on le full protège, style MacTorge ou carry AD. Non, mais les gens n'ont pas compris. Il y avait 30 euros. Bob a rajouté 50 euros, donc ça fait 80 euros. Sauf que moi aussi, j'ai rajouté 50 euros. En bon RP. C'est la même chose. C'est pareil. C'est quand même 50 euros. Mais c'est juste que je ne vais pas vous faire un chèque de 50 boules. Je vous offrirai 50 euros de RP. Putain, fais chier. Eh ben Noël arrive avant l'heure. Mais pareil, donc c'est pour ça qu'on est monté à 130 euros. Parce que moi, vu que c'est mon émission, je me dois de suivre mes co-animateurs. Et donc, il met 50 euros, je me sens obligé. En fait, c'était prévu pour une autre émission. Du coup, là, je me dis, il y aura encore 50 boules à mettre. Ouais. Ça fait... Là, il va falloir qu'on en parle hors live. Supposément, peut-être, il y aura une personne que vous connaissez mais qui n'est pas encore arrivée qui devrait s'ajouter à. Elle n'est pas encore au courant non plus. Notice pas trop. La forêt fortunée va prendre un autre gap dans contre, pas très longtemps. Si elle veut rentrer, il faut qu'elle le mette. Ah oui, il mettra 50 euros aussi. Il ou elle mettra 50 euros aussi. Bien sûr. Ça, la cagnotte, là, le but, c'est de la défendre jusqu'à son arrivée. Je veux que dès qu'il arrive, qu'il pose son cul sur la chaise, il voit 250 boules, un truc comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Fais toi aussi si tu veux jouer. Ici, c'est un club privé, mesdames et messieurs. Non, mais là, ça va être tryhard de ouf. Toi, je te surveille. Si je vois un personnage farfelu que j'ai pas vu depuis cette quand il va arriver, qu'il va voir cette cagnotte 200 E, il va être comme nous au taquet pour la défendre. On donc c'est parti. On va tous manger des pâtes et du riz jusqu'à la fin du mois. Merci, Bob le Gorbe. Ça aurait pu être pire que 50 euros parce que des fois je le connais, il est un peu foufou. Donc il aurait pu annoncer une plus grosse. Non. calme-toi. En tout cas, on est à fond là sur la forêt fortunée, tryhard. Donc c'est parti, on strat. Parce que c'est vrai qu'on s'est pas énormément concerté. J'ai quasiment plus de souris dans ma collection de souris, sinon j'aurais fait 50 euros plus 3 souris. Non mais calme-toi, mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir? C'est le Père Noël ou aujourd'hui quoi c'est... En fait, il me met la pression, Noël, tu sais, il rajoute Noël. Des trucs. C'est Bob Noël, mais je te jure. Il rajoute des normales. Viens pour la première avec tu sais qui. Ouais, on s'habille tous en mode Noël. Oh ouais. Allez, on s'habillera tous. On va faire des Noëls pervers avec des Marcel, tu sais. Avec le tété qui déborde. C'est pas trop mon délire, tu vois, mais bon, je... Non, on s'habillera tous en mode Noël. Version on... José et on Garcia. Mettra encore des boules. Grand, ouais. Bon, je sais pas quoi, Ban. On mettra celle de les nôtres. Du coup, tu vas voir, on va jouer beaucoup plus motivé. Ah, mais là je joue ma vie, ah, je suis content. Contre, là, on strat, là. Une vraie cagnotte. T'es sûr, là, de tes bannes pourries, parce qu'en 3v3, il y a des trucs bien plus moches. J'avoue qu'Azir, j'étais pas trop chaud, mais il fallait ban quelque chose. En tout cas, on est parti. Il y a du monde. Vous êtes monté encore une fois. Parlez-en sur les réseaux sociaux. 130 euros. Faites des screenshots. Voilà. Oh, bah voilà. Merci, Minium. LOL l'a fait. On va retweeter ça. Donc, on est monté à 130 euros sur la cagnotte. Et voilà. Donc, c'est incroyable ce qui se passe ce soir. Et en plus de ça, si vous gagnez, vous avez l'RP. On va faire des cadeaux et tout. Quoi. Hein Alistar DPS. Ouh là là, ça me fait peur. Ça veut dire DPS, AP dire... ou AD par exemple. AP qui met des grosses... AP AD en fait. Autant te dire que tu dois carry. Ok, est-ce que tu savais que maintenant que tu mets le Z, le... Y a plus tu peux plus mettre d'auto-attaque? Moi je tryhard, hein. J'annonce. Tu sais bah, et tu restes à côté, tu le mets quand même. Ouais, le moi je propose cette strat, je joue Orianna, tu joues Alista et toi tu joues un carry AD. La strat c'est quoi? Si un Emerdinger, je joue Emerdinger. Mais par contre vous êtes intelligent. Vous les chassez pas. Vous c'est moi le strateur pour la première. Okay. La deuxième, je te laisserai les rênes si tu veux. S'il y a Emerdinger de libre, je prends Emerdinger. Non, parce que là, j'aurais pas pris Orianna si tu voulais Emerdinger. On a déjà trop de dégâts magiques. Okay. C'est-à-dire que tu prends le Alistar DPS, mais aussi un peu tanky. Toi, tu pars sur un carry AD et on va faire la strat double contrôle des comment on appelle ça là, les altars. Tu veux pas plutôt. On s'en fout d'avoir de carry AD. Tu veux pas qu'on fasse une Annie? Oh là là. Attendez, il y a un problème sur la cagnotte. Il y a 50 euros de trop sur la cagnotte. Je suis désolé. Ah, 80 euros sur la cagnotte. Alors, Annie, bah vas-y, ouais, vas-y. Si tu veux jouer Annie, bien sûr, fais-toi plaisir. Je joue à carry AD. Je joue à l'Histar DPS. Voilà, bon, c'est bon. Par contre, vous voulez quel skin? Parce que le skin, c'est important. Le skin, c'est la vie. Matador. El Matador. Je les ai tous, hein. Il y en a pas un que j'ai pas. Bah, demande au public. Oh, t'as même le football. Ah, je les ai tous. Public, dis-moi sur RC. Le premier qui nomme. Un skin sur l'RC, je le joue. Je le joue et à chaque fois que je fais un kill, je scande le pseudo de la personne.
Donc ah la strat, c'est que toi tu joues avec une fatigue, mon ami Bobby. Mais qu'est-ce que fatigue toi tu joues avec le heal et moi je joue avec le knight. Mais si. Mais... Déchaîné, déchaîné, je l'ai celui-là. J'ai doré. Tu j'ai matador. J'ai long horn. C'est lui. J'ai déchaîné. Oh, mais c'est le plus pourri. Oh, c'est pourri, déchaîné. Oui, mais c'est Fred qui a demandé déchaîné, je vais jouer déchaîné. Ah, c'est le football, bordel. Franchement, mec, football, tout le monde demande le football. Football. Non, si tu veux qu'on gagne, c'est celui-là en fait. Par contre, j'ai pas fait mes réglages. Moi non plus. Waouh, waouh, waouh. La cagnotte, ah, t'es sûr? Ouais, la cagnotte. On est reparti 30 euros dans la cagnotte, mesdames et messieurs. T'avais trompé, t'avais mis clic le 1, je pense. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Tu veux une fatigue, mec? Ouais, ouais, certains contre leur compo, il va nous la falloir. Putain, tu me fais chier. Hein. Eh, hey, on est une équipe ou pas? Ouais, tu me fais chier quand même. Ok. Alistar noir, ça, je vais prendre un Alistar. Est-ce qu'il y a des pauses? On recommence. Stop. À partir de maintenant. Nice. Je suis tombé, trop bien tombé. Attends, oh merde, putain. Non, mais alors Matador, je vais choisir une personne qui voulait Matador. Je vais en choisir un, trop tard, excusez-moi. Alistar Black aussi, on demandait. Hein. Alistar Black. Je l'ai pas le Black, c'était sur l'autre compte que j'ai bah me oui, fait bah. Bannir. Voilà, ça, voilà. Ça veut voilà. dire c'est une personne qui me suit depuis un moment. Donc, mesdames et messieurs, on est parti pour la première game. Je vous le rappelle, 130 euros dans la cagnotte. On est vraiment à fond là avec, avec mes collègues. J'ai joué pour Amarok. À chaque fois que je fais un kill, je crie Amarok. Amarok ? Ouais, il voulait Alistar Matador. Ça, je vais jouer pour Amarok. Allez, ça va. Amarok. C'est normal que. Ouais, moi aussi. Ah, c'est bon. Non. Bon, j'ai ramené mon cadre avec. Régis, là, non ? Ouais. Ouais. Guillaume, tu viens de prendre moins 20 points. Oh my god. Ce qui fait que ça fait de toi. Non, mais je pense que tu peux le faire toi-même. Je peux prendre les deux écrans, je fais quoi ? Non, tu fais clic droit, tu fais définir l'écran principal, t'échanges. Ouais. Ouais. Mais Guillaume a quand même perdu des points. En ce moment, il est un peu dissipé, je sais pas ce que t'en penses. Bah, il est un peu nul. Si on s'est identifié, très bien. Alors celui-là, faire de cet affichage principal appliqué. Et là, pof, pof, très bien. Oui, mais maintenant, est-ce que League of Legends... Il y a peut-être moins qu'il faut reboot. Remets League of Legends. Ok. viens nous corriger ça avant que la game démarre. Bien évidemment qu'on ne perde pas de temps. Il a juste League of Legends lancé sur le mauvais côté. Non, mais ça va, je vais gérer, t'inquiète. Je gère. Not worry, be happy, all is okay. Au pire, change les écrans, là. Mais enfin, faites un tour de passe-passe. C'est bon, le jeu va se lancer. Je vais le prendre, je vais faire fenêtrer, je vais le mettre de l'autre côté, je vais l'ouvrir. Je gère, c'est bon. Allez, pas ça va. Besoin de Guillaume pour ça. Ça va. En tout cas, c'est parti. En face, ils ont quoi ? Vel'Koz, Renekton, Volibi. Ils sont tanky, hein. Ils sont très tanky. Par contre, je trouve qu'on est. Oh, t'as pris Vayne ? Ouais. Oh là là. Mais en plus, Coup de Killzone, c'est bien, mec. Coup de Killzone, c'est bien, il mais. Il a super raison parce que Vayne, ça, c'est un hard counter. Un anti-tank, bien sûr. De Volibear. De Volibear et aussi de Renekton. De Volibear, surtout de sa capacité de régène. Non, ça, je déconne pas. Je te jure, ça défonce Volubir. Ouais. Arrêtez de me regarder avec les... Qu'est-ce que vous faites? Genre, en fait, je comprends pas le lien entre ton équipe. Non, mais de toute façon, tout ce qui est tanky. Non, mais c'est surtout que c'est des tanks qui n'ont pas énormément de mobilité. Volubir, donc, tu vas pouvoir les kiter. Ouais. Vayne, c'est un personnage que je joue Volubir, je le déteste. C'est un anti-tank. C'est normal, Volubir. Ne cherche pas. On a mis ça. Ça n'a aucun rapport contre le passif. Hein. Il n'a pas d'anti-soin. Ça a totalement. Mais sinon. Sur la line, t'as rappelé-moi, tu joues. C'est surtout qu'il est inactif, parce que le seul moment où Volibear va venir t'attraper, tu lui mets une condamnation. Ouais, hein. Bah. Il a dit ouais, mais il se fout de ma gueule. Non, mais la line, vous allez les défoncer. Non, chez les spirits, tu joues quoi? Je joue Cariadé. Mais si, c'est moi le Cariadé. Il le dit avec un air narquois. Mais c'est l'un des meilleurs Cariadés de France. Ça n'a rien à foutre, c'est le meilleur Cariadé de France. Vous n'avez pas mis 50 boules. Je te surveille, mec. Oh god. Je te surveille. Écoutez la strat, écoutez vraiment la strat. Faites vos raccourcis et tout déjà. Ouais, faites vos changements d'écran. Mais ouais, la sorcière. Écoutez-moi en même temps sur la stratégie. Je veux pas une erreur. Je veux vraiment qu'on montre un niveau propre et histoire de faire peur à nos futurs adversaires pour qu'on ait au moins un avantage psychologique. Vu qu'on a beaucoup d'argent dans la cagnotte. Donc la strat, c'est que moi je vais aller top. Vous allez aller bot. Le but c'est de faire un camp de jungle avant d'aller sur la lane. Donc vous allez faire les loups ici. Et que après on se. Après on push les lanes. Écoutez à ce que tu as dit. Ah. Franchement, ça a l'air passionnant. T'es trop fort. J'ai pas écouté non plus. Bon, là je répète ça dès que c'est bon. Ok. Alors vous savez qu'on est déjà en retard, là, ce qui fait qu'on est à moitié mort. C'est pas grave. Dans tous les cas, on va pas une vide. On va juste se mettre en format défensif. Faut que vous m'attendiez, j'ai absolument aucun rapport. Par contre, j'ai l'impression que mon PC il a un peu le cancer. C'est pas grave, ça, t'inquiète pas, ça va, tout va bien se passer. Tout est sous contrôle. Et pour mettre les compétences, c'est où? Ah, mon PC il a ultra le cancer, mec. Les compétences, c'est. Bah là. Oh. T'as tout réinitialisé, c'est bon? Ouais, je suis en cours. Ok. En fait, je veux les améliorations. Ah, voilà.
Du coup, je vais où, moi? Je vais top ou bot? Donc, vous allez bot avec Kalista. Vous allez juste faire le camp des loups ici avant d'aller sur la lane. Après, vous allez push votre lane et on va aller sur leur altar d'équipe hop. On okay. prend l'heure et après on prend le nous. That's not a good idea, I like it. C'est bon it. Ça va pour tout le monde. Donc okay. le but c'est de push les deux lanes. Hey, j'ai déjà été l'homme de la game une fois. Par y a contre, mon nom sur la forêt fortunée au fait il, ou, c'est en cours, vous savez les graphistes en ce moment mais c'est en cours okay, par c'est... contre autre chose, si le duo est top, préparez-vous à faire les loups, ils vont pop. Si le duo est top, tu montes vite vers moi, ok ça, d'accord. Donc là on va s'adapter, pour l'instant j'ai Volibear ici. En gros, soit je suis la pute de MacTor, soit je suis la tienne. Donc voilà, pour l'instant t'es la pute de MacTor, mais s'il décale pas, tu vas venir m'aider. D'accord, j'ai pas de stuff, on en parle. Ok, bah du coup, je pense que tu vas venir avec moi. Hein. C'est... Non, mais les items, c'est pour les faibles. Viens direct avec moi après, Bobby. C'est pour les faibles. Et on joue le push. Hein. Bah, toi, il va falloir que tu push contre Velko, je pense que tu auras un peu de difficulté. GG. Hop. Oula, ça flash in. Ça flash et tout, ils veulent ton cul. Là, tu peux, on peut fight. Hein. On peut les fight, il y a les sbires avec nous. Vas-y, fight encore. Renekton. Ok, Volibear. Bon, il y a plus de flash sur Volibear, ça va être une chose intéressante pour tout à l'heure. On arrive à attraper le level 2. Faut que tu fasses gaffe. Mais après, push contre Vel'Koz, je pense que tu vas avoir trop de mal. Ouais, je pense que toi tu vas galérer. Non, mais non, mais le matchup est bien, tu vois. Mais le push, c'est push, pas possible. Push, oui, c'est ça. Après, l'avantage, c'est pas une question de. C'est vraiment une question de push en early. Il faut qu'on arrive à push, hein, par contre. Hein. Faudra que j'augmente la vitesse de ma souris aussi. Ok. N'hésite pas à prendre un peu plus de risques, Bobby. Par contre, c'est les anciens j'ai creeps sur la map mec. Là. J'ai pas d'objets. Non, mais les mecs, ils sont archi fragiles. Hein. Je peux les. Tant que tu me cover, en fait, ils peuvent rien me faire. Ok, mais c'est ce que je fais, je te cover. Mais pour te cover, faut que je garde le stun. C'est ça. Ça veut dire si je claque le stun, après j'ai la fatigue. Genre lui, tu vois, sauver, il prend cher là. Et rien d'autre. Après, moi j'ai ni Knight, donc sur le passif de Volibear, on peut faire quelque après, chose. Après, tu as des sorts là ou pas? Ne flash pas, t'as, dans tous les cas, flash pas. Hein. Ok. C'est pas le timing. Ah, là il y a moins de l'or. Voilà. Renekton, je l'ai Knight. Renekton encore. Je vous dis quand il décale le level code. Ok, ça tombe. Ok, il a plus de heal. Altar, le déverrouillé. Les altars sont déverrouillés. On va sur le leur, on va sur le leur. Ils sont très très mal top. Y'a le heal, qui prend le heal. Moi je le veux bien parce que je suis un peu weak niveau mana. Vel'Koz qui décale. Ok. Je vais altar, Par là ou par là? Là, okay, là, Vel'Koz, là, Vel'Koz, là, là, Vel'Koz, là, Vel'Koz, là, t'es où, Vel'Koz. T'es où, okay, j'arrive. Vel'Koz, Volibear. Il a son passif. On déclenche son passif ou on lâche? Ok, laissez-moi prendre le heal. Non, n'y allez pas tout. Enfin. Mais... C'est moi qui vais prendre le heal, mec. Regarde ma vie. Tiens, poil, ouais, c'est moi qui passe devant. J'ai bon, mon heal. Prends-le, c'est pas grave, je calme. Je suis en train de le prendre. Vas-y, je vais défendre. Avant qu'il lock. Volibear, il a pas le passif. Volibear, nice. On défend, on prend le tas. Reviens. Je TP, je vais acheter. Attends, y'a Renekton qui arrive, fais gaffe, Bobby. Y'a Renekton, Bobby. Je TP. Go Renekton au pire, non? Attends, deux secondes, je veux lead l'altar. Ok, go Renekton. Il a pas de flash, il a pas de heal. Nice. Ok. Je TP. T'as l'altar? On a l'altar? Qui va prendre le nôtre? Tu prends le nôtre en revenant? Ouais, en revenant, je reprends l'autre. Couvrez-moi deux secondes pendant le TP là. Non, mais je prends l'autre et je back dessus. Moi, je pense que tu devrais farm, toi. Bobby, moi, je back là. Prends du back. Ouais. Bien joué, messieurs. C'est nice ça. J'ai failli tuer le Vel'Koz quoi, il a un peu de moule là. Mais il a claqué quoi? Il a claqué sa barrière, je crois. Hein. Ouais, il a claqué barrière, ouais. Okay. Ils ont plus de summoner normalement. Il n'y a pas de trinket sur cette map là, c'est ça. Une question, c'est où qu'on augmente la vitesse de la souris? Ok, c'est là. Ah, alléluia. Allez, start DPS. J'ai l'impression d'avoir une souris 3ème âge. Eh, mais ce qu'il a dit, c'est un taunt ou pas? Je clique par ici. Avec ma souris en bout. Bon, la strat pour l'instant elle marche bien. Je vais avec qui là? Il y a un retour son dans la game. Le son de jeu de Dugby est en double. What the fuck? Pourquoi il y a un double sur le son du jeu? Il faut demander à Guillaume. Guillaume incompétent, on a un double sur le son du jeu. Fais quelque chose. Il vérifie même pas son install. Voilà, mais il perd combien de points là? Il perd masse points. Il a plus de points en fait. Le problème c'est ça en fait. Il a compris qu'il avait déjà plus de points. Foutu pour foutu. Mactor, ouais. Je tente la technique de la Bactalumbach. Ok. Qu'est-ce que la technique de la Bactalumbach? Pose-moi la question. Attends, mais qu'est-ce que la technique de la pâte à l'ours? Il va s'avancer, tu vas le laisser ça. Oh putain, il y a un ours. L'ours! Go là l'ours! Il est low, vas-y, rush-le! Go! On chope! Je stun! Allez, j'arrive! Mauvais choix! C'était un mauvais choix! Et là, tu es en train de me dire. Voilà, je sais, attention! On arrive! C'est le Dugby, par là! On arrive! On arrive, mais bon, on n'arrive pas vite, hein. On arrive. Non, mais après, on arrive, on n'a pas dit à quelle vitesse. Help me! Je suis là, je l'ai défoncé. Ok, on se retourne. Oh, double stun! Oh, double stun, vas-y! Oh là là! Lui aussi, je fais le tour! Il coûte 50 euros! Vas-y, t'as de la move speed! Moi, je fais le tour, je le kill blow, je le chasse! Je vais nous sac! Je veux des bottes en croco! MacTor, il veut un petit là! J'ai plus de mana, les gars! On y va quoi? Je suis chaud! J'ai une fatigue! Volibear! Bon, finalement, ça sera des bottes en bourse! C'est bien aussi! Oh my god! Faut que je TP!
Désolé, hein, Mac. Les gars, il y a 130 euros dans la cagnotte. Essayez de ne pas oublier ça. Qu'est-ce qui se passe en fin d'élevage de pingouins ou quoi? Il fait 10 degrés. Mais c'est toi qui as décidé ça. Dans le studio, en secours, mesdames. Après, moi, j'ai pas le problème du son. J'ai compris, il y a le son. Attends, il y a le son en double. Faut que quelqu'un mute le son de sa game. Quelqu'un, mutez tous votre son de game. Ok, c'est parti. Plus personne joue avec du son de game à part moi. Okay. Voilà. Attends, le mec, c'est le mec qui sait que c'est le plus faible, il veut tout. Les... Non, ouais, mais c'est juste pour son avantage. C'est juste pour le live, quoi. Je comprends pas le problème du son. Le en fait. Coach, il est méchant. T'as plus de son? Les gars, il faut aller prendre. T'as plus de son, toi? Non, j'ai coupé. Est-ce que c'est bon au niveau du son de la game? J'ai coupé. Pourquoi le son sera en double? Je n'arrive pas à comprendre. Par contre, on a toujours pas pris l'altar là depuis tout à l'heure. Je le prends. Parce que qu'est-ce que ça donne les altars, Mactor, déjà? Ça donne des bonus. Je sais pas. Laisse la Mactor répondre. Mactor? Allo! Ça donne. Ça m'aide à faire des kills. Ça m'aide gros à faire course, des kills. On se regroupe. Tentacule! Japanese! Tentacule! Vas-y, Bobby, rentre-leur dedans. Vas-y! Je stun! Il est stun! Nice! Il est slow! Rancheur du cul! J'ai le lourd sur moi, Renek! Il tombe! Bien joué. On continue! Chase! Combien de temps ton combo? Combien de temps? Je viens de se faire! Je viens de faire! J'ai fatigue! J'ai la place! Ça fait croire que c'est des trucs importants. Reculez, vous allez mourir. Ok, je vais bot. Faut que t'annonces tes timings de combo, Bobby. Ouais, bien sûr, tu veux pas aussi que je te dise où est ma mère, non? Tu vas te calmer. Et comme ça, je sais quand je te mousse-speed. Allez, tu me mousse-speed tout le temps. Allez, si t'as pas le combo. Je perds mes sorts, quoi. Putain, je farme trop mal. Est-ce que si je joue ma vie, moi je gagne des points? Bien sûr, ok. Si tu mets 25 euros, tu es plus classe. Par contre, ce serait bien pour récupérer notre attaque un jour. Mactor, 10 euros. Mais 10 euros avec. Je t'entends mal. Ton micro il marche plus. Par contre, pourquoi notre altar il est pas récupéré depuis le début de la game? Mais que quelqu'un le fasse. Je veux back, j'ai mon cerveau aussi. Est-ce que je l'ai récupéré après ton bac, toi? Non, c'est Bob qui avait dit qu'il allait le récupérer. Et qu'est-ce que tu fais, toi, tout à l'heure? Je sais pas. Tu cours partout. Non, mais là, l'excuse, c'est qu'il voulait le récupérer, on a fight. Non, mais j'ai joué une vache et des instincts bovins, genre un peu d'herbe, tout ça, vous jette dessus. Ah. Mais pourquoi il y a encore le son en double? Là, c'est plus possible, hein. Moi je vais vérifier. Mais... C'est trop. Ah, j'ai le son des annonces et tout. Attends. Peach. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait comme installation? Enfin, j'ai tout coupé, j'ai désactivé tous les sons. Il y a même pas besoin de modifier. Oh là là, oh, Dogby. Oh, pire mec, enlève ton son toi aussi. Oh, pire, j'enlève mon son. Bonne idée. Écran noir. Okay. Il a flash. Est-ce que je flash? Est-ce que je suis mort? Oula. Ouais, totalement raté, magnifique. Est-ce que je suis mort ou pas parce que j'ai un écran noir? Je suis mort moi par contre, c'est sûr. Ah, je suis pas mort? J'ai eu un bug, je suis pas mort. Vous avez besoin de moi ou pas? J'arrive. C'est bon. Alors ton combo était juste parfait, sauf que faut juste que tu le touches. Mais sinon, il était nickel. Par contre, je vais enlever tous les sons parce que du coup. J'ai bousillé. Excusez-nous pour les sons en double en gère. Ouais, c'est de la pure impro. Là, il n'y a plus de son de jeu du coup. Donc là, c'est vrai. Alors, Dogby a donné le premier kill. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Il s'offre comme une pute moldave. Ah. J'ai trust ton combo. Tu t'offres comme une Jinx. Putain, ils crisent ici Sparta. Ils nous humilient là. Je suis en train de prendre leur point. Ah, le son bugué pas. Vas-y, j'arrive, je vais t'aider. Oh là là, vas-y. Je suis là. Allez, j'ai pris le point. Nice. Allez, je les stun. Allez, faut se barrer, on va se faire crever. Fais des trucs de ninja où tu t'enfuis, non? J'ai eu. J'arrive, Mactor, je te shield. Je le tape, je le cabé. Je le cabé pour pas qu'il tourne. Je retourne derrière. Je fais le tour, je passe par là. Il a plus de mana. Je vais avoir le stun. Mais qui court comme une salope, ça ne changera rien. Mettez-moi de la speed. Speed-moi, mec. T'es speed. Tue-le. Si tu le tues pas, je le tuerai. Je vais lui mettre un coup de corde. Laissez-moi passer, je lui mets un coup de corde. Allez. Oh, ah merde, miss. J'ai mis clic. C'est moche, ah, c'est laid. Oh, putain, en plus, tu vas mourir par des creeps. Ah, je me fais souiller par les creeps. Oh. Eh bien, ces gens-là n'auront pas nos 100 euros. Je TP. Ok. Je TP. Non. Mais pourquoi il y a des sbires ici là, c'est la fête. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Quoi? Bon, là, on est bien, 7-1. C'était pas un troll, c'est un troll, enfin les gens, je ne l'ai... Oh, mais si vous avez lancé deux fois la TV, c'est de votre faute si elles sont en double, hein, au bout d'un moment. Après, je Bob... Je comprends plus rien, moi, maintenant. Bob, j'ai envie de dire, regarde, il y a 7 kills... Ça marchait très bien, remets un son, remets. Moi, j'ai remis mes sons. Il y en a qui disent que ça buguait pas, d'autres qui disent que ça bug. En fait, ce serait bien que le régisseur, en fait, s'occupe de regarder derrière la Guillaume, on a un game, problème, en fait. Peux-tu vérifier le son s'il est bon? Merci. Non, mais s'il nous écoute, il aurait remarqué qu'il y a un problème. Nous écoute, et s'il aurait remarqué qu'il y a un problème, il aurait déjà corrigé le problème. Là, je lui fais la Bactalumbak, je suis prêt pour la Bactalumbak. Il y a beaucoup de creeps quand même. Non, c'est la Bactalumbak, t'inquiète, je gère. Je passe par derrière comme un fourp. Et là, Bactalumbak! J'arrive! Vas-y! Bactalumbak! Bon, j'arrive, je suis là. Fatigue!
Et là, c'est notre petit. Oh, je suis plus chaud pour mettre une shockwave. Vas-y, vas-y, je mets une shockwave. Vas-y, vas-y, vas-y. Je le slow, je le slow, je le slow. 7 secondes avant stun. C'est bon, on reprend le point, on les empêche de le prendre. Allez, c'est parti. On le cap, on le cap carrément. Bien joué, on cap, on cap, on cap. Bon. On le décape. Non, mais en fait, on le décape et eux peuvent le capturer, nous on peut pas. C'est non, déjà nous, c'est très facile. On peut pas le verrouiller en fait. Ah, il essaye. Essayer, c'est déjà désobéir. Est-ce que tu es prêt, Dwagby? Coucou. Moi je suis prêt, moi je suis prêt. Vas-y, pousse-le. Oh là. Bah, je vais pousser vers Dwagby, mais il est. Ouais, mais il fallait le pousser vers moi. Pour rien au monde, on leur laisse le truc. Hein. C'est une catastrophe. Ah, il y en a qui disent qu'il faut refresh la page pour plus avoir le son en double. Il revient. C'est un problème que je n'ai jamais connu actuellement en 4 Aïe, de stream. Aïe, je suis chassé, ils veulent un steak. J'arrive. Moi j'ai mon ult là, je suis chaud, ult BRK. Je suis là. Je te shield. Oh là là, oh je reste dedans moi. Oh, oh tu es mort comme une merde. J'ai pris ton aide, Bobby. Moi je suis resté dedans, il faisait chaud. Bobby, putain. Mais ça va avec Mactor, on a pris un coup de soleil, c'est une chose qui arrive. Bah oui, enfin. Oh là là! Oh. Ah, mais quel coach! Mais quel avec coach! Quel joueur exceptionnel! Mais quel coach qu'il joue pas, Bobby! Oh les creeps! Mais non, les creeps! Ouais! Les creeps! Ouais! C'est ça! C'est du creep! Déchire, moi! Je pense que c'est creep! Je tenais à le préciser, j'étais en train d'acheter une épée. Merci de votre aide incroyable. Ok. Je sais que tu m'as dit qu'il fallait être courtois et tout, respectueux, mais ils sont pas du tout au niveau. Qu'est-ce qui se passe en face? Ouais. Alors, c'est juste qu'on est trop fort. J'ai pris ils au voulaient hasard. L'argent, mais. Ils mais ont... 130 euros, mesdames et messieurs, ils actuellement sur la TV de à gagner. Où t'as vu quand une game de 20 minutes, tu gagnais 130 euros, toi? Vas-y, discret. Ah, Bactalumba! Vas-y, j'y vais! Bactalumba! Vas-y! Bactalumba! Vas-y, monstre! Vas-y! Oh non! Oh, il a esquivé la Bactalumba! Oh, lui, qu'est-ce qu'il veut? Ces mecs sont affreux, ces mecs sont. Lui, il est mort, lui, il est mort! Bien sûr qu'il est mort, je le tape! Je vois bien qu'il est mort! Oh, et tu perds ça! Nvidia, ça s'est fonctionné, c'est une blague! Non, non, mais c'est bon, ça va aller, t'inquiète pas, t'es là, va pas. C'est nul. Je vais dire ça, hein, mais bon. Alors toi tu pousses la tour, moi je passe par derrière. Bon, et après... je pousse le défenseur vers toi. Ok, on prend le point, on prend le point ou quoi? Effectivement, ils sont en double. Ces gens vont me rendre fou. T'es, j'aimerais trop être régisseur dans une autre vie. Je serais le meilleur régisseur EU, je crois en fait. Enfin, ça paraît logique. Tu régis. Hop, hop, et voilà. GG, GG. Tu régis les sorts des autres. Oh pardon. Elle était nulle, désolé. C'était quoi ça? C'était une blague. T'as tenté quelque chose? Ah, sur la tour. Je suis en double confirmé. J'ai fait un 4. Quelqu'un en double confirmé. J'adore ces gens. Non mais là quelqu'un de confiance m'a dit je suis en double confirmé. Ah, quelqu'un de confiance c'est qui? Est-ce que quelqu'un cherche un poste? Quelqu'un voudrait devenir régisseur dans ce... on recrute, on recrute. Minium recrute. Et sinon climatiste aussi hein, parce que franchement prochaine fois que je viens ici, j'emmène ma famille de pingouins, ils seront pas dépaysés. Non mais sérieux, j'ai les poils des bras qui se lèvent, ils sont comme ça, t'es que. Vas-y, bah je recoupe. Non, on fait pas la, oh on fait putain, pas la oh putain, je joue dans des conditions atroces. Ils essayent de prendre les sbires du haut. Protégez-moi ces cailloux. Vas-y, on chope là, on chope l'ours. On mange de l'ours. On mange de l'ours là. Non, je l'ai poussé trop tôt. Non Galère. Si ça en va. Oh les dégâts. Oh putain, mais il est en train de nous casser le cœur. Alors voilà. Lui, il va pas s'en sortir. J'ai moi, il veut quoi là? D'où il me tape? Ça y est, je suis en fin niveau 6 au cas où ça intéresse quelqu'un. Force de courir à droite à gauche. Bon, je remute les sons, mais à corriger pendant la pause. Problème incroyable. Je pense qu'en fait, il y a trop de thunes à gagner que le PC. Non, mais je pense pas qu'il tente des choses en fait. Il essaye de tenter des choses. C'est pas le moment. T'es un des meilleurs joueurs français, t'en as pas besoin. Mais non, je parle de la région. Non, je parle à Mactor. Ah, mais j'ai pas de son encore. J'ai pas de son. Des choses. Ah, le heal, j'ai fait, tu touches pas au heal. Ah non, mais. Ah, bon joueur. Est-ce que tu peux me heal par contre? Oui, bien sûr. Attention, tu as les tripes qui pendent du ventre, je te propose un ergo. Le nice des héros. Okay. Et à partir de quel moment on peut faire ça? Et les mecs, pourquoi vous vous barrez? Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi je vais pas, j'ai beaucoup d'argent. Moi aussi. Alors, c'est ici, vous voulez faire trap? On fait un trap? J'ai acheté l'erreur. On fait un trap, go trap. Vous réalisez que je suis. On fait un trap? Non, je veux pas. Ouais, un trap. Soit on fait un trap, soit on prend l'araignée là-haut. Ils vont venir, ils vont passer. Bouge pas, ne bouge pas. On bouge comme si on n'était pas là. Attends, mais il y a des régisseurs sur l'IRC, je vous adore. Discret, faut pas qu'ils entendent sur le stream. Oui, il y a aussi des astronautes, faut pas croire tout ce qu'ils disent. Il y a toujours un spécialiste d'un truc que tu tiens. Ok, il va où là? Non, mais moi je t'avoue que le son n'est pas comme d'habitude. Tu veux pas te mettre derrière moi? Je serais mieux placé pour, parce que là tu me gênes. Ok. Attends, mais au pire, je fais la pas. Restez, je fais la pas. Ouais. Non, fais la pute, ouais, même. Oui, bah, je voulais rester poli. Allez, l'Alta. L'Alta. Ils ont pas le droit de faire ça.
Qu'est-ce qu'ils font, les malheureuses? Ah là là, le kiting. Oh là là, le. Eh, mais. Y'a un ours qui me veut du mal! Mais ça on va prendre Bob chez M-Spirit, je pense. Je suis là. Au secours! Je vais le fatiguer, il est fatigué. Il est fatigué? Voilà, ouais. Il est fatigué, Marie-Charlotte. Il avait envie de se reposer. Il s'est mis sur le côté. Il était bien, il était tranquille. Je suis de la NASA. Il y a un mec qui est de la NASA, mec. J'ai oublié d'écouter un mec de la NASA. Mais par oui, contre, j'ai toujours pas pris l'altar. Mais regarde, par exemple, est-ce qu'on a un chef cuisinier? Est-ce qu'on a un climatiseur? Un expert en non, mais sincèrement, dites toute votre profession actuellement sur l'IRC. On y a tout, je cherche pas. Un est-ce expert climatiseur. Un expert regarde. Climatiseur. Expert climatiseur, climatiste. Non, je suis sûr qu'il n'y a pas. Est-ce qu'on a un taxidermiste au cas où on chope l'ours et on veut le faire empailler? Non mais vas-y, dis toute votre profession sur l'IRC, j'adore. Cariadé. Oui, toi c'est cariadé, c'est ça la profession. Non mais okay. Sans déconner, on peut ne plus avoir frais. Est-ce qu'on peut mettre le chauffage? Est-ce qu'on peut mettre le chauffage? Il prend l'altar, il y a un lycéen. Il n'y a pas d'altar, l'altar est là. Je suis là. Poussez-le. J'arrive par derrière comme un fourbe. Vous le tuez et après allez. Allez, reste là. Oh là là, on fait l'araignée. Go. On est imbattable, Unbreakable for the night. C'est ça mon acteur. Ah bah merci, ça fait plaisir. Encore ah, t'étais là Oh là, bien joué, non, mais... acteur. Non, mais... Mets-toi de l'autre côté, Saucy, je vais le tanker. Aïe, c'est pour ça qu'on a Bobby dans l'équipe, le strateur. Bien sûr. Ouais, enfin, c'est une araignée, quoi. Bon, allez, j'y vais, par contre. Il y a beau être strateur, pas strateur, elle a fait une coupe. Oh là là, mais là, quel niveau de jeu. Ingénieur informatique, ingénieur hydrogéologique, acteur chez Jackie et Michel. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Duel. Super. Ingénieur en clim, Doug B. Il y a un ingénieur en clim. Mais lui, le mec, c'était le même mec qui était de la NASA en fait. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, il gère la clim dans la NASA. Mais ça diminue pas. Mais qu'est-ce que tu veux faire en fait? En fait, il est en train de diminuer les degrés depuis tout à l'heure, tu sais. Putain, on dit merci qui, sérieux? Merci Guillaume en tout cas. Ingénieur à Jurassic Park, président. Ah, ça peut être intéressant ça, non? Ouais, j'avoue aussi. Monsieur Hollande, vous nous regardez? C'est pour vous dire, vous êtes totalement nul. Je suis sûr que ce que vous faites en ce moment, je suis sûr que François Hollande, il a déjà fait une game de LOL. Je suis sûr que François Hollande m'a déjà maté. Putain, non, je regarde Bob le gars, il fait trop rire. Ah, Bobby se fait catch. J'ai besoin d'aide. Est-ce que j'ai une équipe? Oui, je suis là. Je suis là pour. Oh là. Oula. Oh oui. Oh, j'ai eu chaud. Il tente des choses en tout cas. Il y a de l'idée. Oh, j'en ai tué un. Ce kill, il est pour qui? Il est pour Bobby. We are. Gob. Bob. Oh là là. Oh non. Il va m'en vouloir. C'est moi. Hein. C'est vrai que c'était toi à la base. Même si maintenant c'est Gob qui le. Non, c'est We Are Bob. Non, mais en ce moment c'est Gob. Parce que là, oui, bah oui. En ce moment c'est Gob. Enfin, tout le monde a l'IRC. Gob MVP ou pas? Gob MVP ou Bob MVP? We are Gob ou We Are Bob sur l'IRC? Moi quand même, là, vous voulez faire beaucoup de peine. Je vais te raconter une histoire. Ah. Quand les deux joueurs coréens de l'équipe Millennium, ils sont venus. Il gradote un peu. Non, pas du tout. Pardon. Quand c'est arrivé le premier jour. Il y en a un qui est venu vers moi, alors je ne sais pas lequel dire parce que bon, ils se ressemblent. Ça doit être. Et il est venu, il m'a serré la main, il fait Hello, we are Bob. C'est cheaté. Ouais, je pense que ça doit être. Belle anecdote, non? Ou Ryu, peut-être Goro, il est un peu plus timide. Alors que je l'avais jamais vu de ma vie. Hein. Ah, il n'y a pas de lame mais... Sauf, mais ça n'a rien à voir. C'est 50-50, regarde, we are Gob, we are Bob. Ah, par contre, il faut qu'il kill 1000 bots, c'est vrai qu'à chaque fois que j'oublie. Non, mais parce que pour ceux qui ne savent pas, quand même, we are Bob, ça vient. Je me suis fait catch à cause de cet été. Numéric Cap Cup qui va de nouveau avoir lieu d'ailleurs. Alors ça dit quoi sur AC? Gob. Par contre, Va falloir faire un vote. Va falloir faire un vote, exactement. Mais ça risque de faire beaucoup de peine à Bobby. Il n'y a pas à faire de vote. C'est toi. C'est Bobby, c'est tout. Qui c'est qui a fait des t-shirts? Qui c'est qui a été une semaine sur Reddit? C'est Bibi. Voilà, donc ça suffit maintenant. Donc par rapport à toi, Gob, c'est quoi? Après, moi j'aime beaucoup Gob, donc je l'autorise à faire We Are Gob, il n'y a aucun problème. Toi, par exemple, est-ce qu'on peut prendre We Are Dogby? Mais si, regarde, je demande juste We Are Dogby sur l'IRC. Non, ils font pas We Are. Par contre, faut ban 1000 bots. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive. Ne touche pas aux copains. On y va ou quoi? J'ai tué le oui, ours. Oui. Moi, je suis chaud pour récupérer l'altar en fait d'abord. Non, mais ça va, il y a 21-3, ils vont arrêter au bout d'un moment. Je sais qu'ils aiment jouer contre moi. Vas-y, Bart, qu'est-ce que tu fais? Mais le mec, il se met sur sa chaise devant toi. Ouais, bien sûr. Non, vas-y, pousse-le, chope-le. Déchire-le, Bobby. Tu peux pas te faire. Il peut pas te parler comme ça. Voilà. Oh là là, la outplay. Il a voulu faire le kéké sur la fin. Maintenant, il sait... Alors, je sais plus à qui je déviais, mais c'est fort embêtant, il s'appelait... Amarok. C'est pour toi, Amarok. Ah oui, c'est lui. C'est pour Amarok, ce kill. Hadouken. Ah bon?
Alors on peut, là, je suis feed, on peut les dive. Ah, je suis chaud. Est-ce que t'as ton ult, Bob? Est-ce que t'as ton ult? Je suis chaud, j'ai tout. Je suis chaud. Si t'as ton ult, on peut dive. Oui, bon, dive, allez, c'est parti. Allez. Sur lui. Oh là là, mais il donne que 15 gold. Il prend tous les kills en plus, Bobby. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh! Voilà, il est disparu. Toi, tu bouges pas. Tu restes sur le mur, monsieur, et tu bouges plus. Voilà. Never die. Oh, on est imbattable. Qui va réussir à gagner la somme de 130 qui va monter à 140 euros? Parce que je vous rappelle, si en cas de victoire, on augmente de 10 euros. Je pense que ce soir, ça sera pas le cas. Puis-je me permettre de suggérer, si tu joues en diamant ou en master, tu nous intéresserais. Si les autres, vous pouvez pas jouer. Calme-toi quand même, calme-toi. Vous êtes bidon. Au bout d'un moment, L'écoutez pas, c'est ouvert à tous. GG. Ah, j'ai pas le temps de dire. Bravo en tout cas à nos adversaires qui ont essayé tant bien que mal de nous mettre en difficulté. Mauvais, hein. Vous êtes trop mauvais, on voit ensemble que vous jouez beaucoup à LoL, non? Ça va. Surtout toi, non? Un petit peu, hein. Il a 10 heures par jour. De toute façon, si t'avais perdu, t'aurais pu plus jamais jouer. T'avais rugby, t'aurais cassé la main droite et moi la gauche. C'est ça. Ah, donc ce soir, t'as beaucoup de pression. En tout cas, bravo à nos adversaires qui ont essayé, mais qui n'ont pas réussi à nous mettre en difficulté. On repasse sur le lobby, on monte la cagnotte de 130 euros à 140 euros, mesdames et messieurs. Ah, ouais, cash, on monte maintenant. Hein? Est-ce qu'il veut dire que si on perd pas la semaine prochaine, le temps qu'il arrive, on sera 200 euros, mec. Bah là, il va arriver dans deux semaines, trois. On sera 200 euros. Oh là. On sera 200 euros quand monsieur va t'arriver. Le grand changement. Faut juste pas ramener de meuf de 15 ans. Non, mais même là, je pense que. Je pense qu'il faut pas ramener ça. C'est psychologique. Alors, on va, comme d'habitude, élire le MVP, bien évidemment. C'est une tradition pour savoir qui finira sur le mur des MVP pour l'épisode 12 de La Forêt Fortunée. Est-ce que ça a été MacTor et sa Vayne? Du mytho, il m'a dit la défend, semaine prochaine. Défends ton cas. Après, j'ai déjà été MVP une fois, moi aussi. Hein. Moi aussi, j'ai déjà été MVP. Avec été MVP, toi, Dwagby? Ouais, peut-être une fois, mais pas. Peut-être, c'est genre peut-être. Moi, les gens me détestent. Les gens me détestent. Tu veux re-être MVP, moi, ça. Après, mon but, c'est de mettre en valeur mes invités, bien évidemment. Ouais. Donc, je ne veux pas être MVP. Votez pour moi. Ça fait un peu méga. Ah, il y en a plein qui disent Gob MVP. Non, mais on met Gob. Il n'est pas là. Et puis, vous êtes complètement con, hein. Allez, c'est parti, le vote. Alors, tu pouvais voter, toi aussi tu peux voter, Bobby, si tu vas directement sur la TV. MacTor aussi, tu peux voter. Qui est élu MVP pour cette première game de l'épisode 11? Vous pouvez remarquer, il y a MacTor avec sa Vayne, Bob le Gob avec Kalista, Dwagby avec Oriana ou Gob. Très bien. On a quand même mis Gob. Perso... Mais non, mais pourquoi t'as mis Gob? Ça va être Gob, mec. Mais ça va être Gob. Ça va être Gob. Est-ce qu'il ça va nous... Gob. Il va nous voler le MVP? Non, mais Gob va voler le MVP. J'ai voté MacTor, moi, personnellement. Oh, il est en train de nous voler le MVP. Mais... Sachant que, attention, s'il est MVP, on le kick de la team. Parce qu'il est trop fort pour nous. Non, tu vois. Mais t'es complètement con, en fait. Pourquoi? Les trucs qui vont pas chez toi. On refait un vote, Non, non, c'est ça, c'est le bon vote. Bon, on va dire que Gob, ça compte pas. Comme ça. Alors, Gob, puisqu'on en est là, la prochaine game, j'aurai Cassiopeia. Et je roulerai ma tête sur le clavier pour envoyer des. Il y a 140 euros, hein, donc t'as ça, Cassiopeia, on va en parler. On va en parler pendant la pause. 61% pour Gob pour le moment. Je vais vous montrer ça, bien évidemment. Hein. Nous ne sommes pas en train de vous mentir. Pour le vote MVP, hop, ça se passe comme ça actuellement. Et oui. Bobby qui est pour le moment à 19,88%. MacTor 13,76. Moi, c'est même pas affiché. Tellement que. Y a out! Pas... Et Gob qui a 60,75. Mais il est pas dans la game, comment est-ce qu'il peut être MVP? Il est pas dans la game. Bah, si on en prend les comptes, c'est toi alors du coup. Parce que tu es deuxième. Ouais, bah oui. Et très loin derrière Gob. Oui, mais il est pas là. Il est dans mon cœur. Comment ça se passe si on est double MVP? Notre nom il est plus gros que les autres? Bah, en fait, à la fin de toute la saison, une fois que l'émission se terminera et qu'on aura comptabilisé tous les MVP, le plus grand MVP de l'émission remportera le trophée de Forêt Fortunée. Le trophée, c'est une branche. Ah non, c'est ça, quoi. Avec un morceau de feuillage. Ça va être une branche. Ça va être une coupe en branche, en arbre, en or. Une coupe en arbre. Il va nous donner une cagette. Un arbre. Coupe en or. Ça me fait plaisir. Ah non, mais ça, c'est vrai. J'y tiens. Il y aura un trophée MVP Forêt Fortunée. Une boîte de feuillage. Pour l'instant, Gob est au-dessus.
Tu sais, il va prendre un trophée qu'il a chez lui, il va écrire Forêt Fortunée dessus. Non, non, il va prendre une boîte de Ferrero Rocher que sa grand-mère va lui offrir là ce Noël. Il va marquer au feutre à l'arrache Forêt Fortunée. Mais non, mais vous savez quoi ? Ça va être un spectateur qui va la faire, le trophée. Faites votre trophée chez lui et envoyez-le moi. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Faites le trophée. Hey, tu sais, Bactor, l'idée de génie. Oh putain, je suis acculé, génie. Je vais avoir une idée de génie. Idée alors, de génie. Propose, faites le trophée, prenez une photo, surtout, envoyez-le moi sur Facebook, sur Twitter. C'est le cul, vous savez mais quoi, pas vous, du tout. C'est une mission. Attends, mais on fait gagner des centaines d'euros aux gens. Oh, ils peuvent bien nous faire ça. Potède, grosse oh là 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 là. C'est une émission communautaire. Non, on fait participer les gens dans les games. On leur fait gagner des sous. Ils peuvent bien nous faire ça. Mais ce que ça veut dire tout simplement, c'est que t'as des mains en forme de palme de pingouin. Tu peux rien faire avec. J'avoue que je suis grave nul. Mais j'aimerais bien. Est-ce que vous êtes chaud pour ça? Est-ce que vous êtes chaud? Il est mort deux fois, Dogby, quand même, en plus. Hein. On s'en fout. reviens pas dessus. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette première game. On revient dans quelques instants pour la seconde game. Inscrivez-vous, venez sur l'IRC, parce qu'il y a de plus en plus de monde sur l'IRC. Venez, venez, on est monté à presque 600 personnes. Venez sur l'IRC, c'est juste à droite du lecteur. Mettez les pseudos de vos coéquipiers et le vôtre, et vous serez peut-être sélectionné dans quelques instants pour essayer de remporter la somme de 140 euros. Est-ce qu'on va les laisser gagner sur la prochaine? Toi, peut-être, mais moi, non. Voilà. Est-ce que tu... Comment tu te sens pour toi, la prochaine? T'as pas le choix, toi. Ça dépend. Est-ce qu'on prend des diamants, des masters, des, ah, des challengers? On prend du lourd, merde. Est-ce qu'on va chercher les deux coréens et on les défonce? Non. En plus, ils en auront rien. Mais là, ils sont en train de manger, ils sont pas dispo. Ouais, c'est pas dispo de toute façon. Allez, à tout de suite, juste après ça, mesdames et messieurs, on revient, ne bougez pas. À toutes. On va pas te manquer pendant que tu viens. C'est Olivier, travail magnifique, merci Olivier.